Ali Teluji, nom de guerre commandant Omar, est né le 26 décembre 1923 à Rouad. Son père, Sil Habib, travaillait à la mairie. Mort prématurément, c'est l'oncle Sibn Issa qui élève ses neveux et nièces. Il s'engage dans l'armée française et devient sous-officier dans les services de transmission. Début août 1956, il rejoint la LN après avoir été détaché auprès de l'armée royale marocaine comme coopérant. Le colonel Abdelhafid Boussouf, au cours des discussions sur les problèmes de la Wilaya 5, a fait part du projet d'implantation d'un réseau des transmissions qui consisterait à recueillir des messages radio de l'ennemi, puis à mettre en place des liaisons radio. C'était en avril 1956. Au fur et à mesure, s'est constituée autour de Sir Omar Teluji une équipe dans le domaine des transmissions. La grève des étudiants, mai 1956, a permis d'avoir un vivier de jeunes volontaires qui ont rejoint le maquis. Ils venaient d'Europe, du Maroc, de la Tunisie. C'est de ce vivier que sortaient les premiers opérateurs radio dont la formation consistait à savoir manipuler et lire le morse, utiliser le matériel radio et le dépanner le cas échéant. Il fallait aussi former des chiffreurs et une équipe pour la confection des cartes de chiffrement. Pour l'état-major, les zones, les wilayas, le GPA devaient être soutenus d'une manière précise pour établir les rapports en conséquence. Et de là, pour l'inattendu des négociations des accords d'Évian, l'unique but à atteindre de Si Abdelhafid Boussouf, l'indépendance de l'Algérie. Le prix en aura été payé fortement pour être sur les chemins de la liberté. Le stage a duré un mois. Le commandant Omar, qui avait rejoint l'ALN à cette époque-là, a été l'instructeur, le formateur, le créateur et le père de ces transmissions. Il nous a appris le morse à cette promotion d'une trentaine de personnes et le chiffre en même temps. Ces zones étaient pourvues d'un opérateur radio et d'un chiffreur. Alors, Sir Omar donc a commencé à faire des chiffres, j'allais dire rudimentaires, j'allais dire très simples. C'est-à-dire en substituer un mot par des lettres ou par des chiffres. Et à l'époque, nous écoutions toutes les transmissions de l'armée française. Non seulement, quand je dis l'armée française, cela représentait la gendarmerie, qui avait son réseau propre de transmission, les préfectures, c'est-à-dire l'administration civile française, qui avait ses propres transmissions, et enfin l'armée, qui avait ses sections, ses compagnies, ses bataillons, et jusqu'au sommet. Grâce aux opérateurs qui ont été formés, etc., nous avons pu donc écouter l'ensemble du réseau français. Ils étaient victimes, en quelque sorte, de leurs propres mensonges. Ils disaient que nous étions des félagas, des coupeurs de route, des analphabètes, incapables de concevoir des transmissions et encore moins un chiffrement. Et donc, cette aubaine a duré jusqu'à 58, je pense, jusqu'à 58-59, où nous pouvions facilement exploiter ces messages qui étaient une aubaine extraordinaire pour nous. Une année après, il y a eu la création de la section UGMA, étudiant général des musulmans algériens, à Meknès. Une section a été créée. Étant donné qu'il y avait très peu d'étudiants issus de Meknès ou à Meknès, les lycéens du deuxième cycle ont été intégrés plutôt à la section pour pouvoir un petit peu meubler, arriver. On était arrivé à 50-60 membres à peu près. D'ailleurs, le président était Mustapha Hajjaj Mahfoud, et qui lui a déjà été éduqué à l'université. Vu les médias qui étaient à l'époque très limités, d'une part, et qui étaient aux mains des colonialistes. Si bien que les échos arrivaient difficilement. Notre intégration au sein de l'UGMA a été une école de formation,
très rapide et qui a débouché ensuite sur la fameuse grève des lycéens et des étudiants le 19 mai 1956. À partir de là, nous étions déjà à la disposition des rangs de l'armée de libération, qui était l'objectif de tout un chacun. Les transmissions de l'ALN ont été pensées au niveau de l'Arbi Mehdi et de Abd Hafid Boussouf. C'est eux les premiers qui ont pensé à instaurer des transmissions dans l'ALN, compte tenu du fait que, vu les distances, les communications étaient impossibles par des agents de liaison qui mettaient déjà des fois 2-3 jours à atteindre un objectif ou un refuge ou un point quelconque, et souvent étaient interceptés par l'ennemi, et souvent également mouraient en cours de route, donc les messages n'arrivaient pas. Et la coordination était pratiquement impossible. D'où donc l'idée de créer un corps de transmission. Et ce corps donc a été initié parmi les tout premiers par Sadar Snoussi, Hassan Abkrim, Ali Grez, dit Bouhanem Dakar pour plus précis, et quelques autres, auxquels se joindra Glidji Ali, dit commandant Omar, qui était lui le professionnel des transmissions. Et lui, le vrai créateur des transmissions. Sans lui, rien n'aurait pu être fait. C'était le professionnel. Fin 56, ou vers la deuxième semaine 56, une première promotion a été donc formée par ce petit groupe. Ils étaient donc une vingtaine, si mes souvenirs sont bons, 20 à 25 environ. Bien entendu, pour être intégré aux transmissions, il fallait avoir un minimum d'instruction. On ne pouvait pas prendre le morse ni manipuler un poste radio si ce n'était pas à la portée de tout le monde. Quelques mois plus tard, se posait le problème donc des matériels à utiliser dans les maquis. À cette époque-là, l'ALN est tâtillonné, les services en lui-même n'étaient pas encore très sûrs de ce qu'ils pouvaient faire, et les premiers postes qui ont été introduits, c'était des postes de RCA Marine, qu'on appelait ça comme ça, qui étaient extrêmement encombrants. Si mes souvenirs sont bons, 5 ou 6 équipes de 2 opérateurs par poste qui ont été introduits dans les maquis. Donc cette première expérience n'a pas été très édifiante, compte tenu du type de matériel qui avait été utilisé, et il fallait impérativement trouver autre chose, comment alimenter les maquis par du matériel qui correspondait à la vie des maquis. Certains frères de combat, genre Rachid Zegar et consorts, ont été chargés de trouver ce matériel. Ils ont déniché le fameux Angier C9. Cet appareil-là avait d'abord l'avantage d'être le plus moderne de ce qui existait à l'époque, qui était donc le matériel de l'OTAN, c'était du matériel américain. Et grâce à l'action de ses frères qui se trouvaient à l'extérieur, l'ALN a pu se procurer ces postes-là. Entre-temps, une deuxième promotion d'opérateurs a été formée et il fallait donc à nouveau commencer à meubler les maquis. Donc c'est à partir de la deuxième promotion des transmissions, si mes souvenirs sont bons, c'était avril 1957, qu'on commençait donc à s'installer dans les zones et dans les régions. Arrive donc la troisième promo dont j'ai eu l'honneur de faire partie, qui est arrivée donc tout de suite après, juillet-août 1957, formation 45 jours. Formation 45 jours, formée par nos amis, donc nos chefs, Moussa, Sadar Snoussi, Hassani Abkrim, Abou Fatt, son prénom c'est Bouzid Abkadir. Et les premiers Junoud qui ont commencé dans la zone 2, à l'époque il n'y avait pas de Wilaya 5, il y avait la zone 2. La région de Ghazawat, Nidroma, jusqu'à Tlemcen, c'était la zone 2. Donc les premiers éléments de l'ALN, venu de Ghazawat. La révolution commence. Donc nous, on était heureux parce que on a vécu la révolution au Maroc, l'indépendance du Maroc, et on a vécu aussi par la presse, parce qu'on avait les Codorans. Donc on a vu l'indépendance de la Tunisie. Pourquoi pas nous? Donc on était tous pratiquement acquis à la révolution. Donc on était jeunes, on avait beaucoup d'élan, on voulait être des genoux. Et c'est comme ça. Au mois d'avril, avant le mois d'avril 56,
J'ai quitté, personnellement, j'ai quitté avec mes copains ados. On était trois. T'es pour rentrer dans la LN. Donc, avant la grève d'étudiants. Là, on est monté au maquis dans la région de M'aziz. Au bout de trois mois, soi-disant, on était des intellectuels, on passait même pour des médecins. On nous a choisi pour faire un stage d'abord d'homme grenouille, parce qu'on était fils de la mer. Razawat se trouve au bord de la mer. Donc, arrivé au Caire, Bibella nous dit, je vais, c'était au mois d'octobre 56, je vais m'occuper de vous après mon retour parce que je vais faire une mission au Maroc et je reviens. En tout temps, on apprend par la presse Kairot que Bibella s'est fait pirater. Et j'ai fait l'école de télécommunications à Solozlen, c'est-à-dire Oman, Duc d'Oman. À la fin de mon stage, qui a duré un an, j'ai été affecté à Ouargla, à la deuxième compagnie de transmission d'Est Saharien, c'est-à-dire l'état-major des Oasis, à Ouargla. Après la fin de mon contrat, j'ai rejoint donc mes parents à Meknès, mes parents ayant déménagé. Un mois après ma libération, j'ai été rappelé sur les drapeaux. Le Maroc n'était pas encore indépendant. Et j'ai été affecté au 25e RUI à Sidi Bouzikri. Le 5 septembre, mercredi 1956, j'ai rejoint le maquis à partir de Meknès. J'ai arrivé à 14h à Oujda. On a été à la villa d'Erdak. Après un bon repas, est arrivé Boumedine et Boussouf. Je ne savais pas que c'était Boumedine et Boussouf à l'époque. C'est deux personnes qui rentraient et qui me posent la question suivante. Êtes-vous disposé à mourir? Mais c'est Abed Moud. Si je suis venu là, c'est pour cela. Bien, ils sont repartis. Et le soir à 21h, on m'accompagne directement au centre de transmission. J'arrive là et je rentre et je vois Sadar Snoussi, qui était le Baksi Moussa, et le commandant Kliji. C'était le fameux commandant Omar. Quelques questions. Où vous avez fait votre stage? Oui, à Solozlen. Quel était votre gars, 10e DGE? Quel était votre chef de brigade, le sous-lieutenant Gamelin? Qui était commandant de le capitaine Oriol? Bien. Avez-vous connu d'autres personnes? Oui. Un certain Kliji. C'était le bonhomme à question. C'était le commandant Omar. Quel bon. Il s'appelle Omar. À partir de maintenant, vous vous appelez Ben Issa. Et c'est de là qu'est parti mon fameux Ben Issa. Donc on est revenu à Oujda. Deux mois après, on nous ramasse. Nous, on est venus pour l'Aïlène. C'était pour l'Aïlène. Normalement, pour faire le stage de transmission. Donc on nous a amenés à Nador. On a fait un stage à peu près d'un mois. Et là, après le stage, on savait manipuler, on savait surtout écouter. Et on a fait des séparations. Certains sont montés au maquis. Nous cinq, on a eu la chance peut-être, on nous a amenés à l'écoute. On a trouvé cinq personnes à l'écoute. On nous a mis dans une maison, la rue de Safi, une maison arabo-mauresque. Pratiquement pas de soleil, toutes les fenêtres étaient bloquées. Il y avait une famille, c'est Mustafa Kadé, à qui je rends hommage, parce qu'il a, surtout il a une femme, la Tachera. Pendant trois ans, on n'a pas vu sa tête. Elle était dans une chambre, elle nous faisait à manger, et nous, on était au premier étage. Premier étage pendant trois années. Au bout d'un an, ils sont venus prendre trois opérateurs. Hamza Mohamed, Fahim Al-Khdar, Koukouf Daris. Ils les envoient à Tunis pour ouvrir là-bas le centre d'écoute. À ce moment-là, je monte. C'est une maison, une ancienne maison avec un rez-de-chaussée et un premier étage. En bas, c'était réservé pour le commandant et pour la sécurité et la famille nourricière. Et le haut, c'était réservé pour les Moujahidines, les collègues. Et là, je trouve
une partie des gens qui avaient fait la première promotion. Entre autres, Mahfoud, Isha, Hamza, Wassini, Miloud, Hassan, enfin. Et donc, je suis resté avec eux. Quelque temps après, arrivent deux opérateurs, entre-temps Ferid et Moumen. Leur poste était tombé en panne, ils sont revenus pour le dépanner. Et Moumen, étant un ancien sous-officier de l'armée française, il prend son casque, il se met en face d'un poste, il commence à se balader sur les fréquences, ça c'est la méthode de tous les radios. Hein. Et il tombe sur une fréquence à radio de la gendarmerie, dans laquelle le message qui est capté concernait un de ses parents. Ça l'a un peu... Hein. Et bien sûr, cet événement est arrivé en haut, au commandement, d'où bien sûr la décision de créer le centre d'écoute. Et le 7 janvier 57, le centre d'écoute a été créé avec 7 personnes et 7 postes, 6 à Marlond et un Koulis. Les 7 personnes, c'était moi-même, M. Mohamed, Arbi, l'Arbi, on l'appelait Arbi Bamako, Miloud, Hakiki, Hamza et Zidane, 7 personnes. Hamza et Hakiki sont partis, ils ont été remplacés par Ali Lalmani et Hossein Dello. Et on a commencé à travailler. Et là, je suis tombé sur la fréquence de FVR 25, qui est Giriville, et qui commençait à envoyer ses messages. Bien sûr, on a pu, à partir des données, des QSY, qui voulait dire changement de fréquence, et les lettres, on a pu, en le captant sur les fréquences, on a pu reconstituer toute la gamme des fréquences. Et ce poste a été très intéressant parce que non seulement on nous a permis d'avoir les fréquences, mais aussi la chalimique Oscar, c'est-à-dire la carte militaire opérationnelle. Comment on est arrivé à déterminer ça avec Zidane à l'époque? Tout à fait, au début c'était Zidane, hein, c'était pas Bekir, Zidane. Les télégrammes qui venaient étaient chiffrés et le soir étaient retransmis en clair. Ce qui nous a permis petit à petit de reconstituer cette fameuse carte qui, à l'intérieur, n'avait que des mots se référant à l'armée, aux activités telles que mission militaire, approvisionnement, armée. On a pu reconstituer petit à petit la chalimique Oscar, la carte militaire opérationnelle, qui est devenue par la suite le SIDEX. Bref, les renseignements ont commencé à tomber. Mais après, on ne pouvait pas, nous, étions que 6, 7, on ne pouvait plus faire face à l'ensemble de ces. Il fallait augmenter. Arrivé la première tranche d'opérateurs, FIHA, juillet, août, FIHA Saleh Ali, Dibakir, Hamza, Lakhdar, Farah, Hamdi, ou Abdallah, Hamdi, Zohir, Triki, enfin, un bon groupe. On a été obligé de changer de maison. La maison ne répondait plus. Il fallait changer. Donc, on a augmenté encore les capacités de coût. C'est là où Bekir, avec Zidane, se sont liés uniquement au décryptage, la cellule décryptage. Je vous ai parlé des fréquences des QSY. QSY veut dire changement de fréquence. Bien sûr, quand il donnait le QSY, il transmettait 4 lettres. Je prends comme exemple MTNP. Bien. Pour eux, il fallait retrouver les chiffres correspondants. Or, celui qui transmettait ceci, c'était Giriville, le FVR 35, dont l'émetteur avait un son
très particulier. On avait l'impression que c'était une gargoulette qui se vidait. Ce qui nous permettait, en descendant le son, de le rechercher sur la fréquence, jusqu'au moment où on le trouvait. On le trouvait, par exemple, sur 3245 kHz, la fréquence interne. D'où le M représentait le 3, le T, le 2, le N, le 4, et le P, le 5. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à reconstituer toute la carte des fréquences de l'armée. Mais ensuite, les renseignements étaient tels, on a capté tout le territoire. Il fallait faire face avec beaucoup d'opérateurs. Et à ce moment-là, le son d'écoute a été renforcé. Et nous avons habité la Villa Melhaoui. La Villa Melhaoui, c'était un bonhomme propriétaire qui avait avant des bus. Et donc son hangar était immense. Plus la maison était rez-de-chaussée et premier étage. Immense. Vraiment immense. Hein? Et là, on s'est retrouvé avec une trentaine de postes et une soixantaine d'opérateurs. Il y a eu encore un TV dont Atria, Boukhara, Rahab, Djoudi, Djouri, Zidane, qui était chef de centre, a été à un moment donné dépassé par les événements. Et il y a eu la création. Le centre d'écoute a été divisé de manière. On a séparé les responsabilités. Bekir a pris tout ce qui est militaire avec la cellule, le décryptage qui était composé de lui en tant que responsable, Bekir, Demerji, Benyoub, Boussif et Boussif Ben Ali. Et avec eux, Hamdi, Bouabdallah Hamdi, qui était en même temps coiffé réseau militaire. Et moi, j'ai pris la partie civile, qui était les préfectures. Et puis la partie civile, ce n'est pas pour le simple plaisir de prendre la partie civile, mais c'est parce que ces réseaux-là des préfectures ne pouvaient les capter que ceux qui pouvaient prendre leur transmission à une vitesse telle que c'était plus possible d'avoir la main, il fallait prendre la machine. Et on ne prenait plus par lettre ni par mot, c'était par phrase. Donc on écrivait la phrase, on enregistrait, ça devenait automatique. Or, dans ces préfectures-là, avec deux personnes qui pouvaient faire face, Cheikh Mohamed, et moi-même. Et on a commencé au début par écouter la gendarmerie, qui eux parlaient en phonie. Et en même temps, on écoutait les réseaux auxquelles j'étais affecté dès le début. C'est devenu chef de section des réseaux militaires. Il méprisait les fels, comme il disait, les felaga. Je ne pouvais jamais douter qu'on pouvait les écouter. En plus de ça, la gendarmerie communiquait une semaine à l'avance les clés du code. Que l'Allemand, parce que j'ai oublié de dire, mais il y avait deux Allemands. Un lieutenant de l'armée hitlérienne à l'époque, qui s'était fait prisonnier en France. Et là, il a rejoint la Hélène. Donc, il a créé ce qu'on appelle le Charlie Mick Oscar. Ils ont commencé crescendo à proposer un nouveau code, qui s'appelle le SLIDEX. On est arrivé à connaître pratiquement, je dis bien pratiquement, tous les postes émetteurs français, tous, sans exception. On connaissait même le nombre de soldats français qu'il y avait à l'intérieur. On connaissait leur menu, même le nom de leurs fiancés. Et on a été aidé par ce qu'on appelle des BRH, bulletins de renseignement hebdomadaires, notamment des postes du Sud, Béchar, Lagouat, Ensfra, qui eux donner des BRQ hebdomadaires. Quand les Français ont installé SLIDEX, Hamsna. Au départ, il y a eu Zidane. Ensuite, Zidane a été dépassé par les événements, il y a eu Béchaou. Ensuite, Béchaou a été rappelé commandement et on est resté deux officiers, dont Salah Ali Beke, toute la partie militaire et la cellule de décryptage, et l'Akhdar Abdelhamid Ibn Issa, toute la partie civile.
avec la partie militaire, qui était la 10e région militaire. En 1960, le commandement a estimé qu'il fallait que j'aille à Tunis. Donc, j'étais envoyé à Tunis et j'ai pris le service contre-radio de l'Est saharien, de l'Est algérien. Mon QG, c'était le KEF. C'est là où j'avais tout le jeu. Il y avait un centre d'écoute à Tunis, qui était la partie civile, et centre d'écoute du KEF, avec deux autres centres en frontière, dont la zone nord, une casemate en zone nord, chez le commandant Bessalem, et la zone sud, qui était le commandant Salah Soufi, qui est mort, commandant la zone sud. On avait un centre là-bas et un centre approximatif des frontières, plus le KEF. Et ça a commencé. On captait la fréquence Paris, DGG, Délégation Générale du Gouvernement. Délégation Générale du Gouvernement, trois Igami, Oran, Constantine, Alger. Igami voulait dire l'inspecteur général de l'administration au moins en mission extraordinaire. Il y avait Benissaf, Sebdou, Ghazawat et Marnia. Laquelle Marnia était d'une très grande importance parce que le consul général d'Oujda, qui lui était très actif, il nous envoyait le BRQ, le BRH, le bulletin de renseignement hebdomadaire. Il envoyait par estafette sur Marnia. Et Marnia l'envoyait par radio, donc on le captait. Ce qui fait qu'on avait tout ce qui se passait sur le territoire, autant militaire que civil. Il y a eu des petites anecdotes telles que des renseignements, on avait des messages qu'on recevait de Marnia par le consul général, qui avisait les services de sécurité d'Oran. Un tel est venu à Oujda, tel responsable algérien, tel médecin ou tel tel, a pris contact avec le FLN, pour l'arrêter à son arrivée à Oran ou à Tlemcen. Donc le message partait, il arrive à l'état-major, et l'état-major envoyait immédiatement que des fois on sortait les bonhommes de l'intérieur du train, pour leur éviter, bien sûr, d'être arrêtés. Et ça continue comme ça. Mais par la suite, ils ont commencé à se dire, mais comment se fait-il que ces gens-là aient été. Et il y a eu des enquêtes entre Oran, Tlemcen, Marnia, d'où est sortie l'information, pourquoi se fait-il, comment se fait-il. Et j'attends suivi toutes ces... on suivait ceci, on les suivait. On savait tout ce qui se passait. Et donc ça continue comme ça, jusqu'à 1960. Et on a créé à ce moment-là un centre d'écoute à Bouharfa, près des unités. Sauf les messages civils qui étaient transmis par les préfectures. Notamment la préfecture de Tlemcen, qui était une des plus rapides de toutes les préfectures d'Algérie. On faisait 2200 morts à la minute. Et on est arrivé en captant les messages directement à la machine à écrire. Mais on n'a jamais pu décoder les messages à la préfecture. Parce qu'eux, il y avait un autre code, c'est des binômes en chiffres. Deux chiffres, 14, 20. Et l'opérateur radio français s'est arrêté une, deux, trois secondes. Et il émet six binômes. Et j'ai remarqué que le deuxième binôme ressemblait au cinquième. Et tout de suite, moi, dans ma tête, j'ai compris, c'était un compte-rendu, d'ailleurs, plusieurs pages, c'était un compte-rendu de la situation politique du département de Tlemcen, parce que j'avais remarqué qu'une semaine avant, Fatah Abbas avait fait un discours. Ça pouvait être que la réaction de la population vis-à-vis de ce discours. Et j'ai mis facilement, écoute, ça c'est un point où il est allé à la ligne, où il a tourné une page, et j'ai mis M-N-A-R-A-S. Donc le A de M-N-A, de troisième, ressemblait au cinquième de R-A-S. Et j'ai transposé ces lettres à travers tout le message. Et le premier nom que j'ai découvert, c'est Fatah Abbas. Et ensuite, il fallait formaliser un nouveau code.
Alors, quand on lui veut demander qu'est-ce qu'on doit faire, il fallait des papiers carroyés, quadrillés, un stylo à billes, des ciseaux, une règle et beaucoup de calque. Chaque fois qu'il y avait un message, on transportait. Donc, on coupait horizontalement et verticalement, on classait les A, les B, les B après le A, le 1 après le A. C'est comme ça que j'ai trouvé trois codes. De la préfecture de Tlemcen et la préfecture de Marnia, la sous-préfecture de Razaouet, de Marnia et de Sefdo, qui étaient à 150 mètres des postes frontaliers, des postes des guérites françaises, pour empêcher les moujahidines de rentrer en Algérie. Et ensuite, on a installé un autre poste à Bouarfa, sans écoute, à Bouarfa pour écouter le sud, l'argent d'Adrar, etc. Parce que ce qu'il fait, il fallait se mettre au diapason des transmissions françaises. Donc les Français transmettaient ça, communiquaient par code. Donc nous, stagiaires, on avait appris le code Q. Ensuite, on a appris le code Z à l'OTAN. Et surtout, la toponymie qui était, elle, codée dans un carroyage typiquement française. Alors comment on a fait? C'était Frenda. Donc on connaissait par cœur beaucoup de villes comme ça, par l'expérience. Donc on a tracé sur une carte de Chilif à Tabarka, c'était un autre carroyage. Donc on pouvait déterminer avec ça où est-ce que l'opération ou la patrouille ou le ratissage se déroulait. On était informé 15 jours à l'avance, des fois, sur les opérations de ratissage qui allaient avoir lieu. Avec le nom de l'opération, le nombre d'unités, le nombre de chars, le nombre de Al-Farak, combien d'avions et combien de vies on a sauvées qui devaient passer du Maroc vers Marnia, qu'on a arrêté au train parce qu'ils étaient attendus de l'autre côté. Je suppose qu'on va parler de Boussouf. Boussouf est venu à peu près une dizaine de fois au centre d'écoute. Mais pas pour rien d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai parlé du problème du code. Mais déjà, dès la fin 56, il a ramené la zone, c'était la zone 2, toute la région de Tlemcen et tout. Il a ramené tous les chefs de région. Et on était dans une salle qui est noire, on voyait que la lucarne à la poste radio. Il nous disait, donnez-moi Tlemcen, donnez-moi Terni, donnez-moi Sefdo. Surtout les BRQ, les bulletins de renseignement quotidiens. Ici Églantier, allô Glaïeul. L'opérateur de la LN répond immédiatement. Églantier, ici Glaïeul, parlez. Glaïeul, est-ce que les Fellows portent des casques? Bande d'idiots, bien sûr que les Fellows portent des casques. Je vais demander un tir d'aviation sur la position TRZK. La troisième promo donc, dont je faisais partie, que j'ai connu le mieux, étant donné que c'était mes propres compagnons, il y a eu 15 postes. 15 postes radio, donc 30 opérateurs qui sont rentrés au maquis. Répartis sur la Oulia 5, 2 postes pour la Oulia 4, dont je faisais partie, donc 4 opérateurs pour la Oulia 4, 2 autres postes pour la zone 7, la région Tiaret, la zone 4, Oulia 5, la région de Rélizane également, 2 postes, et donc 15 postes ont été largués sur les maquis. Pour votre information, sur les 30 opérateurs radio, 21 sont morts au maquis. 8 ont été faits prisonniers, blessés faits prisonniers, dont moi-même. Un seul a séjourné au maquis pendant une année environ, avant de repartir au Maroc. Donc si vous voulez, c'est la troisième promotion, on l'appelait la promotion suicide. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation des transmissions dans les maquis, on ne peut pas dire que c'était uniforme, pas du tout. Parce que le relief en lui-même du territoire national n'est pas identique partout. Il y a des régions où on pouvait séjourner en toute sécurité, comme d'autres, pratiquement c'était impossible d'y séjourner. Nous arrivons avec 2 postes, où il y a 4, Barraho avec Khadir, et personnellement avec Wetfel, Abdelkader. Il était donc question de placer 3 postes.
un par zone, à l'époque là où les quatre avaient trois zones. Vlel, donc, en zone ouest de Walsnis. Je devais donc m'installer en zone 2, Medea Blida, et en zone 1, Barraho. Manque de chance, Barraho décédé sur un accident de tir. Un accident de tir, donc le poste Barraho devient inutilisable. Son adjoint n'arrivait pas à utiliser le transmission tout seul. Nous sommes restés à deux postes, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. Et la spécificité des transmissions dans la LN, particulièrement au LIA 4, c'est que les opérateurs, les transmissions relevaient directement du chef de Wilaya, le colonel Si Mohamed à l'époque, Bougala, qui donc avait donc décidé d'avoir deux postes à sa disposition, un à l'est, un à l'ouest. Donc à l'ouest, c'était Belel qui était resté, et moi je suis parti sur l'est. Donc on naviguait entre Blida, Medea, Palestro, l'Artaria, c'est-à-dire Bouyara et ainsi de suite. La caractéristique aussi, c'est le fait qu'à l'époque, on gardait toute la station radio avec nous. Et l'intérêt que portaient les chefs de Wilaya aux transmissions faisait en sorte que nous avions un groupe de protection, un groupe d'élite. Généralement, une quinzaine de moujahidines affectés directement à la protection du PC des transmissions. Parce que là, une petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait des instructions au niveau de l'armée française écrites qui disaient aux unités donc opérationnelles, si vous avez le choix de détruire une Katiba ou le PC des transmissions, commencez d'abord par le PC des transmissions. C'était vital pour eux. Les transmissions avaient un apport, je ne dis pas décisif, il ne faut pas se leurrer, que les lacunes existaient. Le fait, par exemple, qu'on nous ait dit, avant de rentrer au maquis, qu'on allait avoir un code tous les 15 jours, c'était archi faux. C'était impossible d'arriver de l'ouest ou de l'est, jusqu'en voulait à 4, en 15 jours, de le mettre en contact avec Simbrok, Abd Hafid Boussouf. Les instructions dans les transmissions étaient claires, la phonie était interdite, parce que la phonie était facilement captable. Dans Wilaya 5, celle de l'ouest était mieux nantie. Ils étaient arrivés même à un poste par région et non pas par zone. Chose qu'on n'a pas pu faire dans les autres Wilayas. Par contre, maintenant, la couverture internationale, les transmissions avaient commencé à s'installer dans les différentes capitales où l'Algérie prônait sa politique, où le GPR a commencé à s'installer. Et là, il y a eu donc des stations à Tanger, à Rabat, à Madrid, à Rome, un peu partout, en Tunisie, au Caire, en Libye, ainsi de suite. Il y a eu Bamako, il y a eu Conakry, je crois, et quelques autres capitales d'Afrique noire, je crois, Accra, si mes souvenirs sont bons. Par contre, à l'intérieur, la guerre s'est endurcie, très sérieusement, avec l'arrivée de Gaulle au pouvoir. Et les pleins pouvoirs accordés au général Charles, à partir de fin 58, début 59, ils ont mis en place ce qu'on a appelé le plan Charles. Le plan Charles qui consistait d'abord à fermer hermétiquement les frontières, donc plus personne ne pouvait ni rentrer ni sortir. Secondo, Charles avait organisé un système de grandes opérations, des opérations d'envergure, dans les différentes régions montagneuse, là où la LN était, j'allais dire, presque indépendante, et en utilisant une nouvelle tactique, il ne s'agissait pas de faire un ratissage de 24 heures ou de 48 heures, il s'agissait de s'installer dans les montagnes. Et avec la complicité, bien sûr, des Harkiv et consorts, c'était devenu l'enfer. À partir de là, on ne pouvait plus garder le matériel avec nous, on le cachait. Il y avait le poste radio, il y avait la génératrice de courant, il y avait la musette des antennes, et il y avait la pile de réception. D'où la mise en place, donc, de la part des responsables de l'ALN, d'un groupe permanent de protection, avec un fusil mitrailleur et des armes de guerre, et des joumoutes, donc, aguerris, qui protégeaient le PC des transmissions. Donc, à partir de fin 58, peu de responsables des transmissions avaient la possibilité de garder leur matériel avec eux.
Et lorsqu'il y avait de grandes opérations, on est obligé de mettre en veilleuse et ne pas utiliser la radio pendant une semaine, 15 jours, ça dépend de la situation du pays. Personnellement, j'ai été blessé et fait prisonnier en septembre 59. J'ai laissé la succession à mon adjoint, de qui je m'étais séparé, Ouedfel Abdelkader, que Dieu ait son âme. Il a tenu jusqu'à août 61. À partir de août 61, il est tombé au champ d'honneur avec le colonel Mohamed Moulama, qui tenait la Oulia 4 à l'époque, et ils les ont eu au PC d'Aoulia à Blida. Présidence du Conseil, SDES. Document secret. Destinataire numéro 623, mai 1958. Crise de cadre chez les rebelles. Le chef de la Wilaya 4 ayant demandé l'affectation de cadre, Boussouf, membre du CCE, lui a déclaré qu'il ne pourrait guère lui envoyer d'éléments valables. Boussouf estime que plus de la moitié des cadres ont été tués et que le problème de leur remplacement se pose de façon aiguë à tous les échelons. Il y a un général français du deuxième bureau qui s'appelle général Jacquin, qui dans un livre raconte une imbécilité. Il disait que la mort de Lotfer Lahermo, on a capturé le code et le poste radio. Alors que je jure devant Dieu que j'ai écouté la mort, que j'ai écouté, j'ai assisté par la radio jusqu'à sa expiation. Damn it! Après un accrochage. Le message a été envoyé. Immédiatement, tout le l'opération, toutes les 5 minutes, envoyé un message. Au l'état-major et à la DDR. Donc, l'état-major d'Anna était au courant. Qui est plus grave, toute la presse, les Côtes d'Oran françaises, avait annoncé la mort de l'autre Ferrar, Hamoud de Farage. Voilà que le général Jacquin, dans son livre, dit. Après la mort de l'autre fille, on a capturé le code et le poste radio et on a fait marcher la Wilaya 5 pendant 6 mois. Et on recevait pratiquement toutes les informations, je dis bien, plutôt toutes les directives envoyées par Paris sur l'Algérie concernant la loi cadre, toutes les circulaires, tous les machins. Je reçois un message, on capte un message, du général Salon, en personne, de la 10e région militaire d'Alger, qui envoie un message au chef de secteur d'Algérie-Ville. Il lui dit, premièrement, vérifier l'étanchéité du SLIDEX. Nous, on a commencé à trembler. Faites une enquête. 8 jours après, on revoit un message. Boulot, étanchéité du SLIDEX intacte. Nous, on a soufflé. On avait la chance d'écouter pratiquement toutes, je dis bien, toutes les transmissions de presse du monde entier. Le 16 décembre 1956 a été l'apothéose de l'apport des transmissions nationales à la Révolution. Ce jour-là, à 20h, a résonné à travers les ondes une nouvelle radio avec comme slogan « Ici, la radio de l'Algérie libre et indépendante, la voix du Front de Libération et de l'Armée de Libération Nationale qui vous parle de l'intérieur de l'Algérie. إذاعة الجزائر الحرة المكافحة هي تعليق سياسي لا يجب أن يقرأ بصوت حماسي ليجند ويعرف ويعبئ الجماهير الجزائرية ويعرفها بثورة. ثم هناك البلاغات الثورية التي يقوم بها جيش التحرير أو الفدائيون في المدن والقرى. هذه العمليات كان يذيعها يومياً بالعربية والقبائلية والفرنسية. أول بث لهذه الإذاعة، إذاعة الجزائر الحرة المكافحة، كان يوم 16 ديسمبر 1956، هذا اليوم الأول. ثم استمرت هذه الإذاعة في العمل حتى سبتمبر 1957. هنا توقفت الإذاعة
إذاعة الجزائر الحرة المكافحة لمدة طويلة، وقررت القيادة استئناف هذا العمل في هذه الإذاعة هذه في جويلية 1959. لهذاك الوقت كان لي شرف المشاركة المباشرة في هذا العمل هذا كمدير تقني لهذه الإذاعة. كان فيه مركز للتسجيل، احنا نسميوه سنتر بي اف، بي اف يعني باس فريكونس، الامواج المنخفضه يعني تاع الصوت والموسيقى والاناشيد الى اخره. هذا المركز كان مجهز في شقه داخل مدينه الناظور مع سي عبد الرحمن الغواطي، اجهزه الارسال او البث غادي تخلق لنا مشكل، بحيث الاستعمار كان يضغط علينا بالتشويش، يشوش الإذاعة، فهذا كان يأثر علينا كثير. إذن درنا تحضير في النهار خاطي وقت الإرسال باش نسجلوا كاع المعطيات، كيفاش نقدروا في وقت البث لما يكثر علينا الضغط من جانب التشويش نحبسوا الإرسال ونبدلوا الموجة ونديروا الريغلاج الكل ونعاودوا نخرجوا بموجة أخرى بغير تشويش. وهذا العدد نتاع هذه المحطات على قد ما يزيد، على قد ما تزيد الأمواج، على قد ما تزيد الصعوبة للعدو باش يشوش عليهم كلهم. أفريل 1960 باش نديعوا نفس البرنامج ولكن ثلاث مرات في النهار، مرة في الليل تقريبا عند الساعة 8 مساء، مرة في نصف الليل عند الزوج تقريبا تاع الصباح، ومرة في النهار ما بين 12 والزوج على الزوال. أجهزة إرسال بي سي 610 تحطوا في قاعدة العربي بن مهيدي في وجدة، وكانوا تم يستقبلوا البت نتاعنا الأساسي ويعاودوا يدعوه على زوج أمواج جديدة. هذا كل باش نكتر المشاكل لتشويش من طرف الاستعمار. قرر عبد الحفيظ بصوف أن يستلم استوديو في إذاعة طنجة التي أصبحت مغربية، كان فيها التقنيون المشرفون على جهاز الإرسال كلهم مغاربة، أما الصحفيون فكانوا جزائريين باستثناء اثنين من الفرنسيين الأحرار الذين كانوا في هذه الإذاعة، من بينهم ميشيل وبيار جوي. هذه الإذاعة التي عينت فيها أصبحت صحافيا هكذا من تلقاء نفسي وأشتغل. إذاعة النظور كان على رأس هؤلاء سي محمد السوفي رحمة الله عليه، وهو المدير العام، وكذلك ذاك الصوت العظيم عيسى مسعودي رحمة الله عليه، كان رئيسا لتحرير هذه الإذاعة. جي كروازي لو بريفي كي تي مداري الله يرحمه، لو برومي بريفي دو تلمسان، اي مي فوا باسكو مون جافي كونو يا بوارفا، اي مي فوا بنيسا جي بوزوان توا، دي وي كاسكيا تي فا فينير افيك مو، فا فير لانفونتير دو سونتر ميساج. Parce que le centre message, le responsable, j'ai l'impression qu'il est en train de ramasser le matériel, ils veulent l'embarquer. Alors on fait l'inventaire, il n'y a pas de problème. Et je suis parti avec lui. Et il est arrivé à son cabinet, il me fait envoyer par son chef de cabinet, il m'envoie chez le chef de centre radio, un fameux Toker. Bien. Toker, enfin, je mettais un visage
sur le bonhomme que je connaissais, mais alors, parce que quand il travaillait par radio, il se posait des questions où tu as dit, je le connaissais, mais alors, mais jamais, pas de visu. Et ce jour-là, enfin, je tombais en face de M. Tocquer, que je connaissais à travers les ondes. Dans l'indicatif était TQR. Ah tiens, ça c'est mon ami. Bref, je rentre, je n'ai rien dit. Il me présente comme chef de mission, voilà le futur. Il pensait que j'étais venu pour prendre sa place. Non, je ne suis pas venu pour ça. Et on rentre dans son bureau, donc, faire un petit briefing. Et là, il commence à me poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait à la radio? Qu'est-ce que vous avez comme appareil? Bon, on avait des petits RGC 9 de 12 watts, c'était pas grand-chose. Ah bon? Et une chose d'une autre. Et puis, en fait, quand je voyais que le bonhomme prenait beaucoup de... Jusqu'au moment où il a utilisé un terme qui m'a fait sursauter. Et il serait bon que vous travailliez avec nous, parce que de la coopération. Alors là, ça a tout changé. M. Tocquer, vous avez terminé? Alors, M. Tocquer, votre indicatif est TQR. Vous êtes marié. Vous avez deux filles. Votre belle-mère vit avec vous. Vous avez une voiture Austin. Vous passez vos vacances à Oued El Hallouf, à l'époque, Oued El Hallouf. Votre ami intime, c'est M. Souria de Bélabès. Plus je parlais et plus bon, mais il se faisait petit. Je me dis, vous habitez. C'est bon. Et il me répond, vous permettez que je prenne mes affaires? Je dis, non, non, je ne suis pas venu pour vous remplacer ni pour couper vos affaires. Je suis venu, on va faire l'inventaire de tout le matériel que vous allez signer. Je signe, on donne au préfet signé et on va remercier. Et c'est comme ça que j'ai fini par connaître M. Tocquer. Moi, j'ai démissionné, je suis allé chez mon père pour faire mes études. Et on m'a rappelé... Et je suis devenu chef des réseaux diplomatiques dans les affaires étrangères. Moi, je considère que c'était une expérience extraordinaire parce que j'ai découvert d'abord des hommes exceptionnels, dont parmi eux, celui qui restera toujours gravé dans ma mémoire et qui restera dans l'histoire, c'est Si Mohamed Bougara, avec qui j'ai séjourné longtemps. Bien entendu, il y en a d'autres que l'on peut considérer comme des héros, qui resteront dans l'histoire. J'ai également peut-être eu la chance de connaître 4 Wilaire, sous les 6 qui existaient en Algérie. Je crois que je suis un cas unique. Peut-être pas unique, mais enfin, un cas particulier. Nahes Lahbib, né le 23 novembre 1936 à Casablanca, brillant étudiant au lycée Diouté, il rejoint Oujda volontairement et en renonce à faire des études supérieures. Et il sera admis au CITT, Centre d'instruction technique des transmissions à Nador, baptisé Promotion Ben Hidi. Lahbib Nahes rejoint aussitôt l'intérieur du pays, la zone 6, Wilaya 5. Le 25 janvier 1957, Nahes Lahbib et le commandement sont trahis par le Moussebel Kedjouch Youssef. Nahes Lahbib est arrêté, interrogé, torturé et disparu. Son frère, Abdelatif Nahes, confiera après avoir consulté et fait des démarches auprès des ministères français, le dernier qu'il rencontrera sera le chef de service des archives du château de Vincennes et lui confiera. Je vous vois souvent venir consulter nos archives pour retrouver les traces de votre frère. Je vous dis en toute franchise que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Il ajouta, vous savez, ceux entre les mains desquels votre frère est tombé, sont formés pour ne pas laisser de traces. Le frère de Lahbib demanda, mais enfin, mon frère n'était qu'un simple opérateur radio. Pourquoi aurait-il le recours à une solution si extrême? Il ne détenait aucun secret pour vous. La réponse glaça le frère. Il ne voulait pas emprisonner votre frère, parce qu'aussitôt libéré, il aurait rejoint la LN. Or, vu son niveau d'instruction, il aurait été un grand atout pour l'ennemi. Évidemment, après cela, la famille a suspendu ses recherches et fait son deuil. Mansour Rahal intègre de son propre gré, en 1957, le CITT,
centre d'instruction technique des transmissions de Nador, pour y suivre une formation d'opérateur radio. À la suite de la grève des étudiants du 19 mai 1956-1957, il devient sergent-chef sous le pseudonyme de Saïd Ben Abdallah. Octobre 1957, il sera transféré à Tadjerouine, en Tunisie, avec un appareil radio ANGRC-9. En décembre 1957, il rejoint les Aurès, et plus précisément la zone 2 de la Oulaya 1, sous le commandement de Ahli Mer, de son vrai nom Ali Malah. Mansour Rahal, dit Saïd Ben Abdallah, devient responsable des transmissions et secrétaire général de la Oulaya 1 et assurera l'intérim des transmissions de la Oulaya 2 jusqu'à l'indépendance du pays. إذاعة الجزائر الحرة المكافحة صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر أيها الإخوة الأحرار في كل مكان سلام عليكم من قلب الجزائر من جيش التحرير الوطني من جنود جيش التحرير الوطني من الفدائيين في كل مدن الجزائر وقرأها تحية الثورة